Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Manu Bolomic. Bonjour Manu. Bonjour, bonjour à ceux qui nous regardent, bonjour à tous. Alors vous avez 36 ans, vous êtes marié et père de famille, et puis père de 3 enfants, et vous êtes aussi pasteur-rappeur. Alors, vous êtes venu de Pau pour nous raconter un peu votre témoignage, comment vous êtes venu des faubourgs de Yaoundé pour être aujourd'hui à Pau resplendissant. Juste avant, je vais vous inviter à nous lire à votre manière un texte de votre composition. Yeah, c'est très simple, ça fait. Expérimente la vie, une puissance frontale, l'amour de Jésus-Christ, un impact n'est pas banal, une percussion terrible, un changement qui chasse le fatal, une nouvelle naissance entrée dans la voie royale, new life, sortie de ta old life, fuis l'état d'épave, quitter le passé, passe en mode en live, sortie du lieu où tu dépraves, plus besoin de bédave, une vie tellement belle que ta famille en bave, c'est le déclic, clic, une nouvelle dynamique, mic, tellement fort qu'aujourd'hui tu vois bolo, bolo, mic, mic, explosion, l'extraordinaire enfant, jeûne, quinquagénaire, tremblement de terre. Si tu essaies la prière, tu deviens tellement fort que tu brises tes dirinaires. Le pouvoir de devenir une autre personne, recevoir un nouveau cœur qui brille et qui rayonne. Merci Manu. Moi j'ai surtout entendu que vous provoquiez tes dirinaires, mais ce n'est pas l'essentiel de cette chanson. Non, j'ai juste dire que c'est un objet de comparaison. Mais ce qui était important, c'était la dernière phrase. Recevoir un nouveau cœur qui brille et qui rayonne. Alors, vous l'avez reçu, celui-là ? Ouais, ouais. Alors, vous allez me raconter ça juste avant. Il faut raconter où vous l'avez reçu, vos origines, Yaoundé, Cameroun. Moi, je suis né à Yaoundé, Cameroun, dans un quartier qui était un peu un ghetto, qui s'appelait Madagascar. Et donc, voilà quoi, c'est un quartier super pauvre, où il n'y a pas des rues comme ici. Les voitures ne circulent pas dans les rues, c'est plutôt des petits taudis. Mais bon, voilà, c'était sympa, on était heureux, même malgré pauvre. La situation familiale ? Difficile, ma mère m'a eu à 17 ans et donc du coup ça a causé beaucoup de tort dans notre famille. Elle a été repoussée, rejetée. Le papa était pas là. Le papa était pas là, donc du coup ça n'a pas été très simple et voilà quoi, ça a occasionné un peu de rancune, un peu de haine, mauvais caractère, et voilà. Et on peut dire qu'à ce moment-là vous étiez un peu paumé, très seul. Plus que pour moi, on est malheureux. Du coup, on est malheureux, on est triste. Et après, je détestais Noël et mon anniversaire. C'était en novembre, mon anniversaire. Noël, c'était en décembre. C'est le pire moment de ma vie. Et donc, du pourquoi coup, Noël? Parce que Noël, tout le monde le faisait en famille. Tout le monde se réunissait. Et moi, j'estimais qu'avoir le grand-père, la grand-mère, sans avoir le père et la mère réunis, ce n'était pas l'image que j'avais. Donc voilà quoi. Et il y avait de la colère dans le fond finalement. C'est que le manque d'amour s'est transformé en colère et après plus tard en haine. Et aussi la perception que j'avais de Dieu était aussi terrible parce que personne ne pouvait m'aider. Et donc du coup voilà. Le grand-père, il était. Enfin, il y a des religions différentes qui sont présentes aussi dans ce cadre-là. Oui, mon grand-père, il était. Le frère de mon grand-père était musulman. Ma grand-mère et mon grand-père étaient un peu protestants. Ma mère m'a dit que je devrais être catholique. D'ailleurs, elle vous a fait baptiser ? Ouais. Et donc, du coup, c'était un mélange. Mais moi, ce que je voulais, c'est un Dieu qui était vrai, qui agissait réellement. Et donc, j'avais marre ni de me prosterner, ni de suivre certains dogmes, ni de prier 5 fois par jour comme un musulman. Donc, du coup, j'en pouvais plus. Donc, j'ai mis Dieu à la poubelle. Alors, quand on parle de l'Afrique, on dit souvent que la musique est partout, ça, c'est sûr. Mais aussi que la transcendance, c'est quelque chose de naturel. Dieu est forcément là. Il y a quelque chose, en tout cas, oui, ou quelqu'un. Oui, il y a quelque chose, mais moi, je ne le voyais pas. Et vous aviez soif quand même ? J'avais une soif, je disais, mais j'étais un peu physicien dans les bords, parce que moi, je crois ce qui arrive. Parce que, par exemple, en Afrique, quand on allait voir un rebouteux, il était capable de disparaître, de réapparaître, de faire des trucs. Et donc, du coup, c'est réel. Et je me disais, s'il y a un Dieu, il est capable aussi de faire ça, parce que pourquoi l'autre le fait et lui, il n'agit pas comme ça ? Donc, moi, j'avais besoin d'un Dieu réel qu'à ce moment-là, je n'ai pas vu. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas croire. Quand je le verrai, je croirai. Et donc, du coup, ça m'a amené à une forme de rébellion quelque part. Et voilà. L'école, ça ne devait pas être brillant ? L'école, ce n'était pas très brillant, donc j'étais un mauvais bosseur, un grand tricheur. Alors, voilà. On dit souvent que, oui, on dit souvent que quand on ne peut pas s'exprimer avec des mots, on s'exprime avec ses poings. Et vous en étiez arrivé là ou pas ? Oui, on a commencé à dormir dans la rue, un peu jeune, et à dealer, à être vraiment
tourner mal, quoi. Donc, du coup, ça, on descend. Et voilà, quoi. Et quand vous relisez cette période-là, vous ne voyez pas des branches que vous avez ratées quand vous descendiez ? On les rate forcément, mais on ne peut pas voir. On ne peut pas voir parce que... Mais ça se passe doucement. On pense qu'on est toujours bien, qu'on est comme les autres, mais on est en train de descendre. Et jusqu'au jour où on voit qu'on a touché le fond. Et ce jour-là, c'était quand ? Ce jour-là, c'était un jour où ma mère, elle avait tout fait pour me sortir du ghetto. Elle a mis ses économies pour me payer l'un des meilleurs lycées de la capitale. Et le jour de la rentrée, je voulais tellement sortir parce qu'on avait fait un concert de rap et on était passé à la radio. Je voulais aller dans les autres collèges. J'ai fait le mur. Je me suis battu avec le surveillant qui a voulu m'attraper. Et le jour de la rentrée, le dirlo m'a viré le jour de la rentrée. Parce qu'il vous a vu en train de vous battre avec le surveillant ? Ouais, et il m'a viré le jour de la rentrée. Oh là là. Et donc, c'est ce semblant d'école, c'était le seul truc qui me rachetait à une vie normale. Et là, je me suis dit, c'est fini, quoi. Là, t'as touché le fond, mais je ne m'étais pas vu descendre, en fait. Et en fait, c'est à ce moment-là où vous allez vous écraser un petit peu vite sur le sol qu'il y a une rencontre un peu étonnante. Bizarre, je suis allé voir un pote qui n'allait plus en boîte et qui était devenu réglo. Il m'a dit qu'il est devenu chrétien. Je voulais, quitte à rentrer chez moi, je me suis dit, je vais le voir. Et il m'a dit, mais est-ce que t'as dit à prier, Dieu existe et tout ? Je lui ai dit, non, ben voilà. Il m'a dit, je te propose la prière et tout. J'ai pas fait grand-chose, je vous assure. J'ai juste dit, si tu existes là-haut, je te demande pardon, j'ai fait beaucoup de mal. Viens dans mon cœur, change ma vie. Vous avez quel âge, là, à ce moment-là ? Je crois que 16, 17 ans, par là. Et là, 15 ans et demi, 16 ans. Et là, une paix extraordinaire m'a foudroyé le cœur. Un truc incroyable. J'ai vraiment levé la tête. J'ai dit, mais waouh, je me suis senti bien. J'ai, en un instant, compris qui était Jésus. Qu'il était mort sur la croix pour nos péchés. Suite à ça, je me suis vite acheté une Bible. Je suis rentré le soir, j'ai dit à ma mère, ouais, j'ai fait quelque chose d'énorme, j'ai reçu Jésus dans mon cœur et je suis bien, je vais complètement changer et tout. J'ai oublié de lui dire que j'étais viré du lycée. Et ben, c'est ouf, quoi. Oui. Les priorités avaient un peu changé. Ouais, mais c'est un truc de malade. Elle a compris ou pas ? Elle a pas trop compris le lundi qui a suivi. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose dans ce lycée. Je me suis dit, cette paix que j'ai reçue va commencer à transformer tout mon environnement. Et quand je lisais Jésus, je voyais que Jésus transformait tous ceux qui venaient à côté de lui. Et je suis reparti au lycée pendant 2 semaines. J'ai attendu que les listes de classe arrivent. J'ai dit à personne que je t'ai viré. Et le jour où le professeur de français est arrivé pour lire les listes de classe, et alors que le proviseur avait crié devant moi, sortez-le, vous êtes viré. Il a crié à la secrétaire, sortez. Avec témoin, donc. Avec témoin, sortez son nom de tous les ordinateurs et tout. Mais comme il y avait 1000 élèves, je squeezais les murs, j'entrais en classe, je disais rien pendant 2 semaines et je savais qu'il allait se passer un miracle. Et quand la prof de français est arrivée, elle a lu les noms des élèves parce qu'il y avait une mise à jour entre les élèves qui ont quitté le lycée et ceux qui sont là. Et il y avait mon nom dedans. Ah, je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, premier miracle et tu vas transformer ma vie. J'ai arrêté de me battre, d'être violent. J'ai repris les études à fond, j'ai recommencé des cours de maths pour pouvoir rattraper tout le niveau. J'ai dû doubler ma classe de première pour tout rattraper et commencer à bosser avec mon cerveau jusqu'à ce que j'ai mon bac, deuxième du centre, et je suis arrivé en Europe. Après, tout s'est ouvert et du coup, j'ai pris une autre vie, un autre virage. Et alors la maman, elle avait un sourire jusque-là ? Et ma mère, elle a pas compris ce qui est arrivé. Elle s'est convertie, elle aussi ? Depuis peu, oui. Oui ? Mais après 20 ans. Mais c'était incroyable. Incroyable ce que j'ai vécu, incroyable. J'ai arrêté de battre. C'est comme si l'amour était rentré. L'amour chasse les ténèbres. C'est comme si l'amour de Dieu était rentré dans mon cœur et ces ténèbres étaient entrées complètement de sortie petit à petit. Ouais, mais alors, vous n'êtes pas devenu un saint du jour au lendemain quand même ? Non, 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 ça a été très dur. Parce que les mauvaises habitudes. Ça a été très dur. C'est un peu dur de les défaire. C'était très dur, mais. Je savais que c'est Dieu qui m'avait donné cette paix, cet amour. Et j'ai vraiment vu que Jésus était vivant. C'est ça qui est... Et voilà quoi. Donc du coup, j'ai arrêté le rap violent. Le rap qui insultait, le rap revendicateur, pendant un certain temps. Et après, je repris ma plume pour écrire ce que j'avais vécu. Alors justement, parlons un peu musique. Ça vient d'où ? Je sais pas. J'étais fan de poésie quand j'étais petit.
quand la vie était tellement dure dans le ghetto, je lisais des vieux livres de poésie en français, genre avec du vieux français. Du vieux François. Ouais, où on écrivait encore sans le E. Oui. Genre, dans le vieux français, pour dire, est-ce que vous pouvez me donner un fauteuil? Vous dites, pouviez-vous me voiturer les commodités de la conversation? Et donc, du coup, ça me fait, avec la poésie me permettait de rêver. Mmh. Et quand la poésie est devenue musique, ça a donné rap. Et donc, du coup, voilà. Et donc, les débuts, c'est quand alors? C'est un petit peu avant. J'ai toujours chanté. Donc, du coup, les débuts, c'était. Les premiers concerts, donc, c'est vers 16 ans? Ouais, et les premiers concerts, c'est vers 14 ans. D'accord. Et vraiment, le milieu chrétien, c'est plutôt vers 17, 18 ans. Et quand je suis arrivé en France pour la fac, et là, j'ai recommencé vraiment à écrire. Et puis, on a fait le premier album fantastique. Et alors, tout, voilà. Pourquoi la France? Parce que quand j'étais en Afrique, j'ai eu un grand rêve. Et vraiment un grand rêve. I have a dream. Ouais, c'est comme une vision que Dieu me disait, va vers ces peuples et porte ma parole. C'est vraiment un grand rêve. Et j'étais encore étudiant, j'ai su que ça allait se faire. Et des années sont passées alors que j'étais dans une famille pauvre. Tout s'est ouvert pour que je vienne en rap. J'ai jamais cherché pour avoir des papiers, je me suis jamais battu. Tout s'est ouvert. Et quand je suis arrivé en France, je connaissais personne. C'est quelqu'un qui m'a dit, viens en studio, je vais te faire un album. C'est quelqu'un qui m'a pris par la main, je t'amène à la télé. C'est une autre personne qui m'a dit, viens, on va là-bas. Ouais, jusqu'à ce que je me retrouve un jour à la Manif pour tous, devant 40 000 personnes et tout, en train de chanter Jésus. Et ah oui, où je me retrouve. Pour préparer cette émission, je suis tombé justement sur une vidéo comme ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis alors, tous les gens en face qui étaient partis, et le discours aussi était là, vous aviez retrouvé du rap assez direct, on va dire. Parce que j'aime la vérité. Jésus, c'était un homme de vérité. Quand quelque chose n'allait pas, et celui qui est symptôme de cela, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand même, dans une société monarcale, est capable de dire au roi Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. Ouais, ça se termine pas très bien pour lui, mais au moins dans cette vérité-là, on trouve quelqu'un qui est capable de s'opposer à un pouvoir qui est injuste. Et alors qu'il est profondément en train de préparer la route du Seigneur, il est capable de garder la lucidité pour dire ce qu'est la vérité. Qu'importe si on nous tue ou on termine mal, il faut être quelqu'un qui loue la vérité. Et donc, du coup, c'est ce côté que je garde toujours, parce que Jésus était comme ça, même vis-à-vis des sacrificateurs et ceux qui connaissent Jésus. Ah, vous avez encore la tête sur les épaules, mais vous avez coupé les commentaires sur cette vidéo qu'on peut voir sur YouTube, parce que ça commençait un petit peu à... Non, parce que je voudrais... À désinguer ? Non, j'aime le dialogue. J'aime quand les gens disent que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est d'être libre. Les gens, ils doivent avoir une liberté de s'exprimer. Comme moi, j'ai la liberté de m'exprimer, les autres peuvent aussi s'exprimer. Donc, du coup, je respecte ça. Mais comme ça devenait fouillis et que j'avais que des gens qui venaient insulter les autres, on n'est plus dans le cadre de la liberté. On ne respecte pas l'opinion de l'autre. Et donc, du coup, j'aime pas ça. Alors, vous êtes venu à Pau, vous avez étudié plutôt l'économie. L'économie, oh, j'aime l'économie. Voilà. Et puis, vous avez eu la chance de rencontrer votre future épouse. Ouais, ah, c'était génial. Ah, c'est la plus belle chose. Je lui ai dit, t'es sûr que tu veux te marier avec moi? Elle a fait, ouais. Je lui ai dit, t'es sûr? T'as vraiment réfléchi? Ouais. Tu sais qui je suis? Mais c'est magnifique le mariage, je vous assure. C'est juste. Et je ne croyais pas qu'on se mariait, quoi. Et après, maintenant, on a trois enfants. Je ne croyais pas, quoi. J'ai l'impression, depuis que je suis devenu chrétien et même que je fais de la musique, j'ai l'impression de me réveiller tous les jours comme si je vivais un rêve, quoi. C'est incroyable, incroyable. Ça se voit un peu sur votre visage, ouais, hein, quand même. Mais Jésus, c'est comme un rêve. Et pourtant, j'ai eu des moments difficiles. Maintenant, je parcours les prisons, je suis dans les collèges et lycées. Je suis dans la rue, parfois dans les quartiers difficiles, au Val-Fouré. J'y suis, parfois dans les quartiers de Marseille. Pour aller à la rencontre. Voilà, à la rencontre. Pour écouter. Pour écouter. Bientôt, je vais habiter Calais. Donc, du coup, on sera aussi avec les réfugiés. Pour écouter, mais pour proposer une autre solution. En disant, peut-être vous avez choisi plein de choix. Je vous propose Jésus. Ça peut être une solution pour vous. Mais vous êtes libre de choisir, toujours dans le cadre de la vraie laïcité, pas du laïcisme. La vraie laïcité, vous pouvez choisir une autre voie. Donc, quelque part, je suis une pancarte qui propose une autre alternative, et donc, avec une musique joyeuse. Hein. La fête, moi j'aime la fête, j'aime la joie. Je trouve que Dieu est
cool et franchement. Ouais. Je crois que les jeunes du frat qui vous avaient entendu, je crois, il y a un an ou deux. Hein. Ouais. Ouais, on s'est éclaté. Ça avait l'air d'aller, hein. Ça allait plutôt bien. J'aime ce. Dieu, c'est le Dieu de la fête. Ah, bah, c'est vraiment le Dieu de la joie. J'aime pétiller. Là, je suis dans le plateau, tu vois, je me retiens. Quoi. Merci, je me serais, c'est gentil. Je me serais levé votre fauteuil pour que vous dansiez, mais bon, là, je me retiens. C'est gentil. Il y a aussi des photos qu'on voit parfois, que vous envoyez sur les réseaux sociaux où vous êtes justement avec les élèves dans des classes un peu partout en France, c'est ça ? Oui, oui. Et aussi à l'étranger, non ? Aussi à l'étranger. Là, je sors aussi d'une prison au Canada. Waouh, c'est pas le même milieu carcéral, non, du coup, ça me permet de me confronter à d'autres peuples. Parfois, là, cette année, je compte y aller dans les peuples pauvres à Madagascar. Ça me permet aussi de toucher du doigt, de comprendre. Il faut que je sois à côté de ces gens, c'est ma vie, donc voilà quoi. On est très peu dans les plateaux de télé, je suis plus pasteur pour le terrain. Ma musique est festive, mais pour le terrain, quoi. On est des gens de terrain. Alors, on vous traite pas parfois d'idéaliste ? Souvent, mais j'ai tellement... Là, vous sortez votre grand sourire. Mais j'ai tellement vu des gens changer, j'ai tellement vu des gens transformer. Je reçois tellement de courriers de personnes qui vivent des choses magnifiques au travers de la musique que je propose, que s'il y avait seulement une seule personne qui recevait ce que je dis et qui recevait par là Christ dans ce que je dis, j'aurais gagné ma vie. Dans ma vie, elle est gagnée. Donc, que les gens me refoulent, qu'ils acceptent, j'ai déjà eu une personne. Donc, du coup, c'est pas grave. C'est ça, la beauté de la vie. Donc, voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'aimer les gens. La France, elle est belle, punaise. Elle est jolie, c'est un super pays. Moi, je kiffe la France. Donc, voilà, j'aime aussi l'équipe de France, de foot. Et voilà, donc, comme j'aime le Cameroun, comme j'aime la France, et voilà, quoi. Ça. Alors, quand quelqu'un a eu la chance, comme vous, de rencontrer Dieu, on peut dire tout simplement. Hein. Les premiers temps, c'est merveilleux. Et puis après, de temps en temps, chez certains, ça redescend un petit peu et ils retrouvent un peu leurs limites, ils retrouvent un peu leurs combats. Vous aussi, vous avez des périodes de combat, des périodes difficiles. J'ai des très grandes périodes difficiles. Peut-être des périodes de doute parfois oui, aussi. Oui, oui, des grandes périodes. Comment vous les vivez ? Parce que c'est des crises qui doivent amener une croissance. On ne peut pas grandir sans des crises. Donc, je prends un exemple. Quand je me suis marié, je me suis retrouvé avec une femme et mon père ne m'a pas appris à vivre avec une femme parce que je n'avais pas de famille. Donc, il a fallu que je me confronte à vivre avec quelqu'un qui me donne le change et qui me renvoie l'image de ce que j'étais réellement. Donc, du coup, là, on ne peut plus mentir. On n'est plus devant une caméra pour sourire et on retrouve vraiment ce qu'on est réellement. Et là, ça fait un peu drôle, ça fait bizarre. Et donc, limite, ça fait mal parfois. Ouais, on dit, ouais, t'es un gros menteur, là, t'es un gros ceci. Là, et là, tu vas retrouver Dieu. Tu dis, Seigneur, je fais comment ? Et là, c'est une crise. Et quand j'ai eu mon premier enfant, c'est pareil. J'ai pas eu de père qui m'a éduqué et j'ai pas eu d'amour. Il a fallu que j'apprenne à donner de l'amour à un enfant qui est à moi. Mmh. Et donc, ça aussi, un autre travail. Mais quelque part, Jésus, il fait le parcours avec nous de nos difficultés. Parfois, même dans la musique. Pendant un temps, tu fais un album, personne ne t'appelle, personne ne te joint, tout le monde te dit que ce que tu fais n'est pas bien, que ce n'est pas bon, et tu dis, Jésus, où je suis ? Et il vient faire un parcours avec toi. C'est là, à ces moments-là, qu'on vérifie s'il existe ou pas. D'accord, mais alors, quand on est gentiment au fond de la piscine, oui. C'est pas forcément le moment où on se dit, hey, c'est cool, de toute manière, je sais que la dernière fois, il arrive. Ah. Non ! Alors, comment vous vivez ce moment-là, quand vous êtes... Tout seul au fond et puis pas bien, quoi. Où il y a l'impression que le Dieu, il est où ? Il répond plus, il est plus là. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose qu'on appelle la foi. Il y a parfois, au début de ma conversion, Dieu me montrait beaucoup qu'il existait. Mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Quand on est dans ce fond du trou, on a tellement une expérience de ce que Dieu a fait qu'au bout d'un temps, on dit, j'ai pas besoin de le voir, il est là. Et donc, il faut juste que je laisse passer ce moment. Le dos rond, ça va passer. Ça va passer, parce que lui, il n'a pas dit « je serai là ». Peut-être que je serai là. Il a dit « je suis Yahvé, je suis là ». Et donc, patiemment, on attend. Ça peut durer un moment plus ou moins long. Et petit à petit, et quand la Bible dit « il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi en lui ». Ce qui fait que quand on a patienté pendant ce temps, on voit Dieu comme venir nous rémunérer du fait qu'on a cru sans avoir rien vu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un parcours. Il faut ces moments de crise pour pouvoir avancer. On ne peut pas aller plus loin sans ces moments de crise.
et jamais vous vous êtes mis un peu en colère contre ce système qui fait qu'on avance, mais dans la douleur, forcément ? Non, parce qu'on est, par définition mauvais. C'est Paul qui dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin qu'après avoir prêché aux autres, je me sens moi-même rejeté. » Ça veut dire que dans ce traitement de ce que nous sommes, Jésus a souffert lui aussi. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, dit la parole de Dieu. Donc ce qui fait qu'on a besoin en tant qu'homme, pour changer, pour progresser, de passer par ces moments de crise. Quelque part, il nous prévient, le Seigneur, quand on vient à lui. Il nous avertit que ça va nous arriver. Et quand ça nous arrive, on râle quand même du fait que ça nous arrive. Mais ce n'est pas facile. Jésus, il a dit, prends ta croix. Et suis-moi. Et suis-moi. Donc, c'est plutôt, il faut porter un regard positif à ces choses. Parce que la Bible dit, prenez comme un sujet de joie les diverses preuves auxquelles vous êtes soumis. C'est dans le livre de Jacques. Parce que là, l'épreuve de votre foi va produire la patience. Et la patience, quand elle va produire son effet complet, va vous donner une espèce de joie et de force et vous seriez une personne accomplie. Donc il faut que l'épreuve produise quelque chose. Ah ouais, c'est de la pression des olives qu'on obtient. De l'huile. Voilà. De la bonne huile. Alors, on arrive déjà, hélas, à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos trois questions rituelles. Aïe. Oui. Aïe. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Moi, je dirais par un cœur sincère dans la prière. Dites à Dieu ce que vous souhaitez de lui. Dites-lui « J'ai envie de te voir. Montre-toi à moi. Viens me rencontrer. Fais quelque chose. Donne-moi des signes. » Parce que c'est un Dieu qui répond. Et ensuite, dans cette forme de prière, laissez Dieu venir à soi. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on a décidé en claquant du main, mais on rencontre Dieu parce que lui, il descend venir nous voir. Il est descendu par Jésus et à tout homme qui s'approche de lui, il descend venir nous voir. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? C'est, franchement, je suis christ-centrique. Je suis marqué par Christ. C'est voilà. Et comme Jésus, c'est Dieu, donc je le mets un pas à part. Le personnage que j'aime beaucoup, c'est Moïse. Trop de la balle. Quand j'irai au ciel, je dirai aux autres, attendez un peu, je dois parler à Moïse. Faites de la queue, vous avez toute l'éternité pour patienter. Voilà. Ou je vais prendre quelques minutes avec lui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Manu ? Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, tu as été bon pour... Vraiment, je me conseille, je veux servir les hommes. C'est pour ça que je suis rentré pour être pasteur. Rappeur, c'est la musique, mais pasteur, c'est servir les hommes. Et j'y suis pas encore arrivé, mais il faut que j'avance. Merci beaucoup, Manu, d'être venu de Pau. Nous partager votre sourire, cette lumière, cette joie, enthousiasme. Yeah. Avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de terminer cette émission avec un extrait de votre chanson. Juste avant, je vous remercie d'être venu et je vous remercie vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce témoignage lumineux grâce à notre site www.ktotv.com et si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Manu Bolomic, il a aussi un site www.manubolomic avec un K comme koala. En avant la musique. Je voudrais voir cette parole citée dans les radios, dans les télés, sur le net chanté, dans les studios. Qui ça tombe au roi. Number one. Oh, everybody put your hands up. Oh, praise the mighty Lord. Jesus, number one. Jesus, number one. Le constat depuis a été fait, des paroles fortes, suivies des faits, confortées, on passe le stade des essais, il te rend clean et ôte tes méfaits. Yeah, le number one, moi je l'appelle the one, il consomme.
sol et soigne. Contre le mal, il a de la poigne. Il contrôle le nuage et le vent, les montagnes, les astres, les océans. Reste le même qu'importe le temps. Accomplit ses desseins et ses plans. Réconcilié avec Dieu par son sacrifice. Où les injustes à la haute subissent. On sent une force rédemptrice. Son amour est un vrai délice. Il n'est pas venu mal pour te juger. Non, non, non. Il n'est pas venu mal pour t'écraser. Non, non, non. Il n'est pas venu mal te rejeter. Non, non, non. Le number one, le number one. Jesus, Jesus, number one. Number one, number one, number one, number one, number one. Il est le même, restera le même. Il est vivant, vivant. Sa parole est vraie, tu peux le vérifier. Invoque-le, tu le verras pour t'aider. Il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Tu comprends pourquoi il est couronné. Le cœur des rois, il veut l'incliner. La terre pour lui n'est que marche-pied. Partout dans le monde, ils l'ont accepté. Et c'est le cri le number one. Et c'est le cri le number one. Et c'est le cri le number one. Le Jesus, Jesus number one. Number one, number one.